depuis 93. Donc je vais expliquer vite fait les installations et qui se situent où dans le pigeonnier et on verra à la fin les deux aspigeons de Marseille. Donc la colonie est composée plus ou moins de 80 jeunes à l'année, entre 30 et 35 mâles d'Arnans célibataires, de 40, plus ou moins 40 tardifs et 45 vieux à jouer sur les deux ans et plus. Donc ils sont passés comme suit. Ici à la base il y avait un pigeonnier avec 40 jeunes. Donc là on l'a refait pour faire un. Il est un peu pourri, pour faire une nouvelle équipe. Donc les jeunes seront situés là et dans le dernier compartiment là-bas au fond à la volière. Le pigeonnier là comprend c'est les veufs, une partie des veufs, il y en a une quinzaine. Dans le deuxième pigeonnier parpaing, il y en a une quinzaine aussi. Les 35 célibataires mâles d'Arnans, petit pigeonnier. Le deuxième pionnier en bois, il y a entre 15 et 20 veufs dans le pionnier là, donc les veufs 1, 2 et 3. Les deux compartiments, c'est les tardifs, avec porte coulissante, les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, et les femelles de veufs. Et là, les reproducteurs, au nombre de plus ou moins 25, donc il y a 20 couples de reproducteurs et 5 couples d'éleveurs, plus ou moins. Dont Vaillant, l'aspigeon qui est passé en production cette année-ci. Maverick, lui, est encore en voyage pour l'instant. On verra s'il fait quand même une saison ou pas. Là, on a Mistral Aspigeon Barcelone 5 ans qui est là. Il est stérile maintenant, mais il sert d'éleveur. Il finira sa carrière dans le pigeonnier, tranquillement. Et en train d'élever les deux jeunes à Maverick, justement. Le pigeonnier d'un an célibataire, donc tout super choix. Hein, voilà, donc on jouait toute la saison en vitesse, en demi-fond, ils finiront par un 400 km en fin de saison. Et voilà, c'est leur but de la saison d'apprendre le métier. Ils sont là pour ça. Les pigeonniers de vieux donc, sont comme ça. Donc le grand nettoyage de printemps sera réalisé au premier concours, donc dans une semaine ou 15 jours. Donc voilà, donc là ils sont veufs depuis 15 jours et prêts à parcourir, à commencer la saison la semaine prochaine. Donc là on a Maverick, donc deuxième masse pigeon Marseille, 9 sur 9 aux internationaux, classé 5e pigeon européen sur 4 ans. Donc premier étant le pigeon de Monsieur Pachelot. Et Maverick fait 5e. Donc jamais loupé d'inter, 9 sur 9. Prêt pour normalement faire encore une dernière saison. On verra bien s'il a tout pas. Voilà un pigeonnier. Alors on voit le compartiment. Tout le monde est au veuf, tout le monde est prêt. Donc là, ici c'est les mâles. C'est 6 pigeons de 18 mois. Donc les mâles avec qui les femelles, les seules femelles qui seront jouées sont accouplées. Donc c'est les fils et le meunier, c'est le fils de Vaillant, l'aspigeon européen de Marseille. Donc c'est les tardifs, les 18 mois qui seront joués donc, sur les inters. Et les femelles qui vont avec seront jouées sur les inters aussi. Au veuvage total. Donc là on va aller voir les femelles et les fêtes tardifs. Comme vous voyez, niveau alimentation, rien de plus basique. Un basique, un standard et de l'orge en début de saison. Et puis, quand les grandes joutes arriveront, on passera en alimentation un peu plus costaud. Donc là, c'est les femelles tardives et les femelles qui vont être jouées dans les inters. Il y en a 5 vieilles femelles dans la fameuse pâche là.
La bleue là, grand espoir, on verra bien. Donc là, les 18 mâles tardifs, donc que des jeunes issus des voyageurs qui sont faits après Perpignan. Donc les pigeons après Perpignan sont raccouplés, les voyageurs, et les élèves de jeunes, chose qu'on ne faisait pas avant mais qu'on fait depuis 2 ans. Donc c'est un tort de ne pas élever des voyageurs qu'on faisait avant. Donc maintenant on élève depuis 2 ans les jeunes des voyageurs. Donc on fait des tardifs et on joue de ça et les résultats sont quasiment meilleurs avec les jeunes des voyageurs que les jeunes des producteurs. Donc des parents joués à la maison donnent plus de quasiment de satisfaction que des pigeons achetés en Hollande ou autre. Donc là on est chez les producteurs, c'est le premier tour de la saison. Étant donné qu'on ne joue pas en jeune ou très peu, on fait peut-être un concours ou deux dans le meilleur des cas, ou sinon ce sont des grossis au panier, on t'a entraîné. Donc là les jeunes ont plus ou moins 15 jours, ils vont être sevrés dans 15 jours, plus ou moins une grosse semaine. Et donc le sol est fait, on voit le sol n'est pas très propre, il gaspille tellement. Entre chaque tour, nettoyage complet du sol, entre chaque tour. Bon, c'est le naturel. Donc les jeunes vont être sevrés d'ici 15 jours et il y aura un deuxième tour de fait, donc nous ferons plus ou moins 80 jeunes qui seront pour nous. Donc les parents sont principalement la base de la colonie qui était le vieux Battenbourg acheté à la vente Total Bass Battenbourg donc, de 2005. On trouve quand on a des descendants directs de lui comme le Mako. Ce sont plusieurs Mako ici donc, qui viennent de cette base là qui ont donné de très bons résultats sur Barcelone, sur Marseille. Ensuite, il y a les bons basiques des fédéraux qu'on avait en ce temps-là, qu'on a recoupé sur les Hollandais. Donc, on a encore des descendants de ces pigeons-là. Là, ici, exemple, ici, nous avons une propre fille du Battenbourg, qui est encore la présente. Et sinon, les origines au Metz, Hollande. Donc, le petit-fils du Golden Boy. Le fameux pigeon acheté à la vente Total Tantar, qu'il appelle le Nigérian, je crois, accouplé avec la mère de Maverick, donc grand espoir au niveau de l'élevage. Les fameux Bongers, le roux, donc, dont 4 fils ont fait prix l'année à Marseille, 4 sur 4 fils à Marseille. Le Pachla, toujours les Homès ici présents, qui sont au nombre de. Une bonne dizaine. Donc, le roux Homès, les écaillés chez Agens, Vaillant qui est là-bas au fond, qui passait du coup lui passer en production. Aspigeon européen de Marseille. Lui arrêté parce que c'est sa descendance. Aspigeon de Marseille, 5 ans. Toujours en bonne condition. À un moment, il faut savoir les arrêter avant qu'ils soient trop tard. Sachant que sa descendance. Et très. Le vieux petit bleu. Donc, ça, c'est la souche de la maison. Donc, on en a mis en roue d'inter. Donc, en patate de 2013. Lui, fait 42e national. Barcelone en 2013, le petit bleu, donc c'est la base de mes fédéraux, donc l'origine des fruitiers des Rosennes, sur la lignée des Hollandais, donc de Schalkens. Le vieux Battenbourg, donc propre fils du vieux Battenbourg, donc de 2005, acheté directement chez Battenbourg, alors Total Bass Battenbourg, donc de 2008, hein, vous voyez, toujours fertile. Réalisé en 2013 le triplé Barcelone-Marseille-Perpignan, dont un top 100 international à Marseille, et envolé 15 jours avant Barcelone. Le Mistral, un pigeon 5 ans Barcelone, français. Donc voilà, un beau pigeon avec des longues ailes. C'était la lumière tout au long.
Donc voilà. Donc lui, toujours la même lignée, hein. La lignée des fruitiers, par le père, et la mère, directement chez Schlinger. La lignée c'est Van der Wegen, là, j'étais là en total chez Schlinger. C'est par cela. Là, on fait quand même les roues, les œufs de les jeunes à Vaillant, donc premier tour. Bon, j'ai fait tardif il y a deux ans de lui, des meuniers, des roues. Il y en a donné un copain qui a des écaillés aussi, il sort toutes les couleurs. Bon, voilà. Espérons qu'ils seront aussi de mon fleur père. Donc voilà, avoir la progéniture. Un as pigeon. Donc on peut garder notre base et puis se rélever un peu sur nos lignées.